Bonjour à tous et à toutes, me revoici après un bon petit moment sans vidéo pour vous montrer un album que je viens de réaliser avec mon amie de Bretagne, Marie, qui est venue 3 jours à la maison pour scraper. Donc on était super contents parce qu'en 3 jours on a fait un gros album avec ces collections-là. Donc j'avais fait un haul, hein, je crois, une vidéo pour vous montrer l'achat de ces 2 collections. Alors au départ, j'avais acheté qu'une collection de chaque pour moi-même. Donc Sœur Vagabond et Lady Vagabond. Une collection voilà, qui m'avait beaucoup beaucoup plu quand je les avais vues sur YouTube, dans des hauls et puis dans les magasins. Et en fait, comme je sais, juste après, j'ai su que mon ami venait pour 3 jours. Et donc j'ai eu l'idée de racheter des collections. Donc en fait, on peut travailler avec beaucoup moins de collections, mais moi je suis partie sur une belle quantité, c'est-à-dire qu'on avait chacune 2 collections de Sœur Vagabond et 2 collections de Lady Vagabond. Donc en fait, ça fait 40 papiers. Voilà. Donc il faut bien dire que si vous revoyez mon haul de ces collections là où je montrais papier par papier, il y a des papiers, ils sont tous recto verso, et par contre dans la collection hein, il y a pas mal d'embellissements à découper. Donc tout n'est pas des papiers 30-30. Voilà pour ça. Donc au passage j'avais acheté mes 2 premières collections sur Craftelier. Et ces collections apparemment ont eu énormément de succès, elles étaient en rupture partout quand j'ai voulu commander, ça fait 15 jours, c'était en rupture dans toutes les boutiques de strap, en tout cas que je connais en France, ou alors beaucoup trop cher. Et en surfant, en cherchant, j'ai trouvé une boutique que je ne connaissais pas, et pourtant j'en connais beaucoup, et qui s'appelle, je fais la publicité, parce qu'en fait c'est une boutique que j'ai découvert en recherchant. Ils m'ont vraiment dépanné parce que j'ai fait la commande le dimanche, et je l'ai reçue le mercredi, voilà, donc les 6 packs. Et ils m'ont bien dépanné parce que je leur avais dit dans le message, faites vite parce que j'en ai besoin pour le week-end prochain. Et en fait, vraiment très très rapide, avec un petit mot personnalisé, un petit chocolat, enfin voilà, c'était très très sympa. Et donc cette boutique, je vous la remettrai en barre d'infos, elle s'appelle Bricot et Scrap, donc une boutique en France. Hein. Et donc la collection, je l'ai eue pas plus cher, pas moins cher que dans les boutiques françaises, hein, dans les 10 euros, 11 euros la collection. Donc, on a utilisé énormément de papier dans cet album, qui est très imposant, hein, comme j'aime les faire. Déjà, tout de suite, je vous dis que je me suis énormément inspirée du tuto d'un album sur ces mêmes papiers d'une dame qui fait des vidéos aussi de scrap que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en recherchant des idées pour cette collection, enfin ces 2 collections de Stamperia, et c'est Michel Fieux. Donc je vous mettrai également le lien vers sa chaîne YouTube, parce que ben voilà, il y a tellement de chaînes qu'on ne connaît pas tout le monde, et là ben, grâce à ma recherche j'ai trouvé, je me suis abonnée à sa chaîne, et puis a fait de très très jolis albums également. Donc je dis tout de suite que je me suis inspirée à 90% de son tuto. J'ai imité beaucoup beaucoup de choses. Et puis je me suis inspirée aussi, mais j'y reviendrai, sur une seule page, sur un tuto de Scrap Queen. Cet album est très imposant. Il fait, on a voulu garder vraiment un maximum de papier déco parce qu'il est magnifique. Donc on est parti sur une couverture qui fait quand même 32 ou 32,5 je crois. Et les 2 couvertures et devant 27 cm et la tranche fait 10 cm. Donc pour l'instant je n'ai pas décoré le devant. Hein. Je voulais vous faire la vidéo avant parce que bah, je ne sais pas exactement quelle photo je vais mettre dedans. Ce sont des collections qui se prêtent énormément à tout ce qui est voyage, vacances, et je pense que je mettrai mes photos des vacances 2021 en été.
Donc pour l'instant, je vous montre ça neutre, mais j'ai quelque chose à vous dire sur la couverture. Et sur le côté, pour rappeler, donc vous avez vu, hein, les collections, c'est vintage, plutôt steampunk. Et donc, pour rappeler un petit peu le côté métallisé, qu'on retrouve beaucoup sur les papiers, j'ai installé, vous voyez, des attaches parisiennes sur le côté, sur la tranche, qui permet en plus de bien soutenir, de bien tenir ma reliure. Avant de vous ouvrir et de vous montrer les pages intérieures, la couverture, j'ai acheté, elle est faite avec un papier peint. Donc ce n'est pas un petit morceau que j'ai acheté. Chez Leroy Merlin, vous avez un petit stand de déstockage et ils vendent des rouleaux entiers neufs de papier peint à moindre coût. Et en fait, voilà, j'ai acheté un rouleau entier, il s'appelait Grunge, voilà le rouleau, et j'ai trouvé que ça allait vraiment super bien avec mes collections de vagabonds. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire de ce rouleau entier? Alors déjà, j'en ai donné un morceau à mon ami, on a fait les deux mêmes couvertures, et puis bah, peut-être que je le réutiliserai pour d'autres albums pour moi, ou pourquoi pas pour une crop à la maison. Donc voyez, côté métallisé, pas mal, et j'ai acheté le rouleau 10 €, donc c'est vraiment pas cher, il coûtait je crois 40 ou 50 € en prix fort. À côté, il y en avait même, enfin à 50 € en déstockage, donc voilà pour ça. Donc là, je pense que vous allez voir, si vous allez voir les tutos de Michel Fieux, elle a fait une magnifique couverture avec des superpositions d'embellissement à découper dans les collections. Mais moi, j'attends de voir quelles photos je vais faire, je vais mettre dedans pour faire la couverture. Alors, quand on ouvre, voyez, voilà un petit peu l'engin, entre guillemets. Donc, première chose que j'ai fait un petit peu différemment de Michel Fieux, c'est qu'avec mon ami, on a décidé de faire 4 blocs de pages, vous voyez, en décalé. Donc, le premier bloc fait 15 cm de largeur, et après, on rajoute toujours 2 cm, donc ça fait un escalier. On voulait ce petit effet un petit peu décalé, on aime bien. J'ai fait une structure accordéon au milieu, hein. Voilà, vous connaissez le système. Elle réexplique, bon, moi c'est une technique que j'utilise depuis très très longtemps et que j'aime beaucoup, et qui tient super bien dans le temps. Après, il faut prendre son temps, au niveau des plis, tout ça, c'est assez... assez long, assez minutieux, mais voilà, quand on prend son temps et qu'on y va doucement et qu'on colle bien les choses, ça dure super bien dans le temps et c'est costaud. Donc là, après, moi j'ai repris, vous voyez, j'ai utilisé aussi d'autres, oui, au passage, j'ai utilisé beaucoup de papier de mes 4 collections Vagabond, mais j'ai utilisé aussi, moi c'est quelque chose que j'aime souvent faire. Ce sont des magnifiques papiers, mais si on mettait que ça, ce serait quand même assez chargé. Donc j'ai utilisé quelques-uns de mes papiers Scrap Plaisir Faux Unis, que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ils vont vraiment bien avec le style. Donc ceux-là, je les ai utilisés pour quelques tags à l'intérieur, et puis pour les couvertures devant et derrière de l'album. Comme la couverture est vraiment très très grande, nos papiers font que 30,5 et là j'avais 32. Dans les chutes, vous voyez, moi j'adore cette espèce de couverture vintage, bordure, et donc j'ai mis un petit bout pour combler le manque que j'avais là, et à la fin aussi. Ce papier, je l'ai mis également, vous voyez, entre chaque reliure. Donc je vais vous montrer le premier bloc de page. Donc, vous voyez, donc là, je n'ai pas forcément mis tous les embellissements, j'en ai mis quelques-uns. Hein. Donc, la première page, j'ai utilisé ces belles valises, là, qu'on avait sur un beau papier. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu vite, parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. On a 2 volets comme ça, j'ai mis des œillets, des aimants. Pour l'instant, ils ne sont pas cachés. Pour les cacher, je mettrai certainement des photos. Alors, ce qu'on a fait avec mon ami, c'est qu'on a utilisé effectivement beaucoup de beaux papiers, mais on a aussi énormément d'emplacements pour des photos.
Et donc on n'a pas compté, mais on est sûr on a la capacité d'une centaine, peut-être 150 photos. Hein, entre 100 et 150, ça c'est sûr et certain. Donc là, j'ai utilisé plein de petites décos que j'ai récupérées dans mes tiroirs, vintage, un peu métallisées. Ça, je crois que c'était quelque chose que j'avais acheté à Noz. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois où est-ce que j'ai trouvé. Donc on ouvre comme ça et on a un grand feuillet double qui s'ouvre encore comme ça. Donc là, je me suis amusée à. Alors, je vous montre. Hein. J'ouvre les deux. Donc en bas, pareil, double feuillet comme ça. On a des motifs en entier ici. Ici, on avait ce beau papier. On l'a gardé presque entièrement. Je me suis amusée à découper l'aile et à le mettre sur du fond noir. Et ça me permet, vous voyez, de mettre un petit tag ici. Donc moi je pense ne pas mettre de photos ici sur les beaux papiers, mais on pourrait tout à fait en mettre quand même. Et vous voyez, pour faire recto verso, pour gagner de la place aussi, ça c'est du papier que j'ai utilisé pour quasiment tous mes tags de l'album. C'est une collection que j'aime beaucoup de chez Scrap Plaisir. Je ne sais plus le nom, ça doit être graphique, édition, quelque chose comme ça. Donc elle s'appelait Craft et il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Et j'ai tout distressé. Alors, pas le papier de collection, mais tous mes tags sont distressés à la vintage photo. Donc là, vous voyez, j'ai un petit encart pour mettre. Voilà, là, j'ai gardé le prolongement de la longue vue. Et puis, ça me fait également un petit support pour mettre mon tag. Donc, de l'autre côté également. Hein, j'insiste pas plus que ça. Donc, on a fait une fermeture vers la droite en bas et une fermeture vers la gauche en haut. Voilà pour la première phase. Je ne le redirai pas, mais toutes les 4 pages ont la capacité de. Il y a une ouverture là vers le haut et on peut mettre un grand tag. On peut mettre déjà 4 photos. Donc déjà, vous voyez, dans la 4x4, 16 photos. Derrière le premier bloc, on a réutilisé les papiers portes. J'ai utilisé les flèches de Tim Holtz que j'avais. Et puis là, on ouvre sur le devant, c'était ouverture vers gauche et droite. Et bien là, c'est ouverture vers le haut. Donc là, j'ai fait une petite pochette avec cette étiquette-là qui était fournie dans le kit. Et puis, j'ai encore mis des tags. Et puis, vous voyez, j'ai un manque de place. Mais vous devinez qu'on a. Voilà. Alors, au passage. J'ai pas suivi le tuto de Michel Fieu. Avec mon amie, on a regardé la vidéo où elle présente l'album et puis après, on s'en est inspiré. Bon, c'est vrai qu'on fait du scrap depuis quand même, moi, ça fait 18 ans et puis elle, presque pareil. Donc voilà, on voulait pas forcément suivre pas à pas le tuto pour gagner du temps. Donc on a fait aussi un petit peu à notre sauce, entre guillemets. Et puis je pense que là aussi, si vous regardez, vous pouvez mettre pause. Je pense que vous êtes tout à fait apte à regarder et puis à essayer de prendre vos propres mesures parce qu'après on peut adapter en fonction du papier. Et en bas, j'ai pareil, hein, on ouvre par contre vers le bas. Alors je ne peux pas trop vous montrer, voyez la magnifique visage du bonhomme. Et puis après, j'ai bien sûr recto verso. Voilà. Donc là, j'ai fait des découpes et on peut aussi caler une photo ici. Donc il faut détacher un petit peu l'aiguille parce que vous voyez, ça fait aussi de l'épaisseur. Il faut donner un petit peu de jeu à la tâche parisienne. Le deuxième bloc, nous avons ces magnifiques étagères de livres. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais je me suis amusée à mettre en 3D. J'ai redécoupé comme on avait 2 collections chacune. Je me suis amusée à découper en relief, enfin à découper et à mettre en 3D. J'ai remis une petite aiguille et quand on ouvre, ça nous fait un feuillet. Là, on a gardé le recto verso du papier. Et puis là, j'ai un emplacement photo. Donc voilà, ça se ferme comme ceci. Ensuite, en bas, on avait ce petit embellissement à découper. On l'a découpé, on l'a maté dans du noir. Et dedans, vous voyez, ça c'est aussi une découpe fournie dans la collection. C'est magnifique, ça donne vraiment l'impression d'un vieil album photo. Donc, on a mis une petite corde avec un petit embellissement que j'avais depuis très très longtemps aussi.
Et puis à l'intérieur, regardez la beauté. Là, on a gardé le recto verso parce que voilà, c'était très très joli. On peut faire un journaling ici et au fond. Et puis à l'intérieur, j'ai réutilisé cette collection de scrap plaisir craft. J'ai distressé et j'ai encore la capacité de mettre plein de photos. Derrière le deuxième bloc, regardez ça. Donc on a un papier avec des grandes maisons comme ça dans la collection. Ça, je m'en rappelle, c'était des embellissements que j'avais trouvés à Noz. J'en avais pris plein, plein, plein. Et bon, j'en ai offert un certain nombre à mon ami. Et puis là, ben, on l'a mis. Ça, c'était des petits métal triangles que j'ai mis en haut des maisons. On a maté hein, pour que ça ressorte. Et puis, on a fait deux portes. Donc là, on peut prendre la poignée et ouvrir comme ça. Donc, on a mis un aimant. Là, j'ai rien inventé non plus. Hein. C'est une idée, il me semble, de Michel Lefieux, de la dame. Alors, on n'a pas découpé forcément de la même façon les portes. Elle, c'est un album qui est moins grand et moins large, il me semble. Donc, on ouvre comme ça de chaque côté. Et puis là, on a fait... Elle, elle ne l'a pas fait, Michel Lefieux, mais nous, comme on adore ça avec Marie, on a fait une cascade interactive. En jouant avec un escalier, on voit l'image et quand on ouvre, voilà, on a plein, plein, plein d'espaces photos. Rien que là, je crois que c'est 16 photos. Ben, de toute façon, oui, c'est une quinzaine, entre 15 et 20. Dans les petits embellissements, on a découpé la petite dame dans la collection Lady Vagabond et le petit monsieur dans la collection Sœur Vagabond. On a fait deux pochettes en bas. J'ai mis ces petits embellissements là. Et puis on a mis ces tags qui sont également fournis en forme de livre. Donc là je pense qu'on mettra des photos derrière. Voilà. On remet la petite porte, on ferme. Troisième bloc. On retrouve nos valises que j'avais mis là. Donc ici, les valises, elles sont très simples. Je pense que je rajouterai un petit embellissement, je ne sais pas où. Dans les décos à découper, on a des petites anses de valises comme ça. Alors pourquoi pas les détourer et puis les mettre en 3D. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, on ouvre. On a fait une petite, avec un gousset, une petite boîte là, avec cette jolie carte. Et là, j'ai pris du papier faux uni scrap plaisir qui me faisait rappeler la couleur de Sœur Vagabond. Et j'ai fait une cascade. Donc là, on a une grosse, grosse capacité de photos quand même, recto verso. Voilà. À droite, donc ça, c'est une technique que j'ai déjà expliquée dans une vidéo. Hein, vous pouvez la retrouver. Je rappelle que j'ai créé des playlists pour que vous retrouviez facilement les tutos. Donc là, j'ai fait, vous rappelez, ça c'est une technique de Dominique, la canadienne, la chaîne André Demers. Et donc ça, c'est les pochettes avec l'image ininterrompue. Et donc, dans chaque pochette, donc magnifique visage hein, de Sœur Vagabond, donc on voulait qu'elle soit apparente. Et donc, on a réutilisé cette technique que j'ai fait plein, plein de fois. Et dedans, vous voyez, là, un super grand tag pour la pochette du haut. Donc, tout est distressé encore une fois. Ensuite, j'ai mis deux tags dans la deuxième pochette et deux tags dans la première. Voilà. Ensuite, derrière le deuxième bloc, nous avons notre Lady Vagabond. Donc là, ça va sur l'aimant, mais une fois que mon album sera debout, ça ne bougera plus. Ça aussi, c'est des petites décos que j'avais trouvées à Noz, mais ça fait plusieurs années. Je les stockais, et puis vous voyez, j'ai réutilisé. Donc là, j'ai détouré, encore dans une autre collection qui fait faux cuir de... Vous voyez, ça fait faux cuir de scrap plaisir. Et puis, quand on ouvre, ça, c'est la même idée hein, que j'ai prise... De Michel Lefieux, mais je crois qu'elle a pris l'autre personnage. Moi j'ai pris celui-là et elle a fait avec la petite dame mais qui est debout. Moi j'ai pris celle-ci parce que ça se prêtait mieux au niveau de mon côté de page. Donc on prend, là c'est une petite déco qui est dans la robe du personnage.
Ça nous permet de faire une petite poignée. J'ai encore mis un aimant. On voit le même personnage derrière quand on ouvre. Et quand on ouvre comme ça, on a une cascade en décalé. Très simple, hein, qu'on coince derrière le papier décor qu'on colle au fond. Donc vous voyez, là, les belles cartes sont fournies également dans les collections. On s'est contenté de les découper comme il faut. On les a distressées aussi pour qu'elles ressortent un petit peu. Et puis à gauche, voilà, elle a fait ça avec ce personnage-là. Donc moi, je l'ai gardé. J'ai juste mis un petit coup de cutter pour garder toujours cette beauté de papier. Et puis j'ai fait un double feuillet que j'ai inséré dans cet espace-là. Donc toujours avec un gousset, hein, en prévision et des décos et surtout de l'épaisseur des photos. Donc voilà, on referme. Le troisième bloc, on a mis en évidence ce magnifique papier encore une fois. Donc on ne l'avait pas encore mis. J'ai fait une ouverture aimantée avec cette petite étiquette. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mis un petit aimant là pour que ça tienne bien. On ouvre. Là, on a détouré le personnage Sœur Vagabond. Ici, on voulait mettre en évidence ce magnifique papier aussi, avec ce personnage et les ailes. Donc, on ne met rien dessus, sauf en haut. Vous voyez qu'on a installé une petite cascade. Alors, vous voyez, dans cet album, j'ai utilisé plein de techniques de cascade. Là, c'est des morceaux, et puis ils sont juste scotchés. J'avais ce scotch, hein, pas masking tape. Parce que le masking tape, je trouve que ça ne tient pas du tout sur ce genre de construction. Le scotch, là, tout à fait steampunk, puisque ce sont des engrenages qui sont dessinés. Ensuite, derrière ce troisième bloc, on a fait une grande pochette. On a mis, voyez, la beauté du truc. On a mis en évidence ce papier-là, voyez, qu'on a découpé en deux fois. Donc ça, c'est pas dans le tuto de Michel Fieux, hein, mais voilà, si c'est très très facile à faire, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, vous voyez, on a poussé le vis, comme on dit, jusqu'à reproduire avec la deuxième collection qu'on avait à disposition chacune, de mettre, vous voyez, le même motif sur un grand livret qu'on a là, où on a encore plein de photos de possibles à mettre. Et puis on a fait une petite reliure, collage ici, et puis pour décorer, pour faire un peu style steampunk, j'avais ces petites attaches en métal. Le dernier bloc, là c'est une technique que j'ai déjà fait plusieurs fois de Dominique, hein, la canadienne, André Demers. Je vous remettrai le lien aussi de sa vidéo si vous voulez, vous voyez je le mets en petit pense-bête sur mon petit papier pour que j'y pense. Voilà. Sinon, je vais oublier. Donc là, c'est une technique, je ne sais plus comment elle appelle ça, c'est les images, je ne sais plus, multi-images, je ne sais plus. Donc là, il y a un tout petit défaut, hein, vous allez le voir. Là, j'ai mis mes petits livres en 3D. J'ai voulu réutiliser mon faux cuir parce que ça me rappelait énormément la couleur de l'espèce de montgolfière là. Et bah, en fait, vous voyez, j'ai collé un tout petit peu de travers mon montage carré là au centre. Et bah, du coup, quand j'ai mis mon cadre, ça se voit encore plus parce que j'ai un décalage là. Donc moi, ça me gêne quand même un petit peu. Donc ce que je vais faire quand je passerai quand je mettrai mes photos, je pense que je mettrai un tout petit ruban et je pense que ça se verra plus. Voilà. Donc vous connaissez ce système, hein. J'ai mis de la cordelette parce que les aimants, ça aurait été trop compliqué à mettre et trop nombreux. Donc on ouvre et puis vous vous rappelez de ce système-là. On ouvre comme ça, comme ça, comme ça. En fond déjà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà un premier papier. Si je tourne, j'ai un deuxième papier qui apparaît. Voilà. Toc. Ensuite, je tourne à droite, j'ai un deuxième motif papier qui apparaît. À gauche, pareil. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, même au bout de je ne sais pas combien d'années de scrap, ça arrive. J'ai mis mon papier à l'envers.
Et puis ben, comme j'avais commencé à construire le dessus, voilà, j'ai laissé tomber. Mais c'est pas grave, je voulais mettre des photos, donc ça se verra à peine. Et puis pour terminer, on ouvre au centre et on a encore plein de capacités pour mettre des photos. J'ai mis ce petit bonhomme là, non, j'ai pas détouré, où je mettrai une photo là. Voilà, je crois que j'ai oublié un morceau. Non, ça doit être ça. Donc la corde, je la remettrai après. Et le dernier, derrière du quatrième bloc, alors là, on a kiffé, comme on dit, pour faire ça. Vous allez me dire, mais c'est ça, c'est une cascade qu'on a déjà faite, hein, oui, oui. Donc en fait, j'ai vu ça sur Scrap Queen, a fait également un album avec cette collection-là. Et bah, j'ai flashé sur cette page qu'elle a faite. Donc effectivement, c'est une technique qu'on a déjà fait avec l'image comme ça en dégradé. Sauf que là, vous allez voir, elle est multiple. On a trois fois des images comme ça, vous allez vite comprendre. Donc on a travaillé sur un support qu'on a après ensuite collé au fond, ce qui nous donne la capacité, vous voyez, en dessous, de mettre un grand réceptacle d'un grand tag, comme ceci. Et donc, on ferme avec une cordelette et puis ce petit système là. Donc Scrap Queen réexplique cette technique là. Donc regardez la beauté du truc, enfin peut-être que, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup et Marie aussi. Et donc on ouvre, on a compté le nombre de photos qu'on peut mettre, hein, c'est énorme. Donc vous voyez là, j'ai l'image comme ça en décalé, mais regardez bien, quand j'ouvre, je vais en avoir une autre qui apparaît, vous voyez. Ah, on s'est bien amusé, hein. Ah, c'est sympa à faire comme un puzzle en fait. Je vais avoir un autre motif, regardez, qui apparaît ici avec la petite dame. J'ai mis un petit mot là, Dream Big, pour séparer les deux motifs. Et c'est pas fini, quand je tourne en bas, j'essaye, hop, quand je vais faire apparaître mes espaces photos, je vais avoir un troisième motif qui va apparaître. Alors, hop, attendez, hop, j'ai pas assez de place. Je pense que ça va être bon, là, quasiment. Ça commence à apparaître en bas. Et voilà, là, j'ai choisi de mettre les deux portes. Alors ça, j'ai adoré. Et là, j'ai mis ça pour pas qu'on confonde également les deux images. Bon, ça, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une technique que je reproposerai en cours ou lors d'une crop. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà. Et là, on remet en place notre premier motif. Voilà. Donc, elle explique très, très bien. Hein. Nous, on n'a même pas regardé le tuto. On a regardé une fois la vidéo. Et puis, de toute façon, quand on a déjà fait une fois cette technique-là simple, voilà, on devine. Mais il fallait juste avoir l'idée, quoi. J'ai trouvé ça super de faire pareil en dessous. Voilà, bah écoutez, j'ai fini la présentation de ce grand album. Alors me demandez pas un tuto parce que voilà, ce serait vraiment trop compliqué à faire. Mais voilà, si vous regardez, si vous êtes à l'aise maintenant, si vous scrapez depuis longtemps, vous pouvez faire comme nous, regarder la vidéo, mettre sur pause et puis voilà, prendre vos propres mesures. Créer aussi à partir des idées, hein, nous c'est ce qu'on a fait, à partir des images de Michel Fur. On n'a pas du tout suivi ses tutos, mais on s'est inspiré de la présentation de son album. Et puis après, si vraiment vous avez, si il vous manque un petit peu de technique, eh ben, vous allez sur la chaîne de Michel Fur, et là vous pourrez suivre ses tutos. Ce sera voilà, beaucoup plus détaillé que ce que je fais là. Voilà, donc bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, il faut aimer le style, hein, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mais nous, voilà, on a vraiment énormément aimé cette collection. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais après, on ne peut pas mettre de photos sur le papier. Mais vous voyez, là, j'ai pas compté. Hein, je le mettrai, je vais m'amuser à compter, là. Et puis, je vais vous mettre sous la photo le nombre de photos qu'on peut mettre qui ne sont pas sur les papiers déco. Hein, voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je vois que ça clignote et ma vidéo doit être très longue, mais en même temps l'album est très gros. Donc je vous dis au revoir, à bientôt, à une prochaine fois.